Eh bien bonjour à tous les amis, c'est CoolTNT et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'espace avec un alien. Vous voyez, cet homme est un alien. C'est la première vidéo dans la vraie vie. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Lucafi, l'alien. Qui s'est échappé de la zone 51, évidemment. Eh ben ouais, forcément. On pouvait pas faire sans. Je crois qu'il y a un problème. Ah bah en fait, c'était un fond vert, voilà. Oh là là, il nous a tous eu. Bon, vous vous souvenez peut-être de la dernière fois, c'était très douteux le fond vert, on va pas se mentir. En gros, Lucafi, en regardant une vidéo de... C'était qui déjà ? Personne. Ah, c'était pas en regardant une vidéo, bon tant pis. Non. Du coup... C'est très drôle parce que quand je me mets en shift et quand je te regarde, je peux voir un peu les blocs à travers ton pseudo, c'est assez chelou. Bon, je comprends rien. Oui, non, mais... Du coup, là, nous avons la même salle, on est exactement au même endroit. Et ce qui veut dire, on a juste changé les blocs autour. Avant, c'était de la vieille concrete vert clair. Et maintenant, c'est des cartes comme ça, vertes. Et en gros, on les a mis, voilà, sur des item frames qui sont éclairés par derrière. C'est important, sinon ça n'a pas la même texture. Et du coup, ça fait le plus beau fond vert de toute la vie. Surtout que maintenant, on peut poser les item frames au sol et au plafond. Du coup, ça nous a aidé. Ouais. Bon. Du coup. Vous avez deviné quel sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Effectivement, le titre était écrit. Je te laisse prendre place sur ton siège. Alors, aujourd'hui, vous avez pu constater que Labotron a énormément changé. Ça fait combien de temps la dernière vidéo de Labotron ? Il y a 3 mois. Je savais pas. Merci. Bon, du coup, 3 mois, ça fait beaucoup. En 3 mois, on a le temps de faire beaucoup de choses. Surtout que... Juste au début des vacances, on a eu le temps de beaucoup avancer. Et on arrive avec un petit peu plus d'abonnés. Mais bon, c'est encore... Ah, as-tu entendu le bruit chelou? Ou est-ce que t'as pas le son de Minecraft? Ah, le bruit chelou? Non, mais j'ai désactivé, il m'énerve ce bruit. Mec, il y a des bruits hyper chelous, c'est abusé. Donc ici, oui, on a deux types d'aliens. Donc on a encore la magnifique chute de lave. Lava fall. Et il y a quelque chose de plus dedans. C'est par là. Attends. Alors, va falloir que tu m'aides pour rentrer. Ah, c'est ici, je crois. Ah, voilà, c'est bon. Nous sommes... Ah, ici, je crois qu'on avait oublié la carte de Labotron. Ah oui, c'est vrai. Bon, du coup, nous sommes dans la cachette anti-intrusion. Donc, au cas où, si on se fait attaquer par nos rivaux, donc d'autres personnes... Ah, on peut pas passer là-dessus. C'est la couche de trop. Exact. Bon, pour dormir, c'est pas pratique, mais bon. Du coup... On va voir le hall qui a lui aussi énormément changé. Le hall, c'est la deuxième chose qu'on va voir qui a changé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu. Je viens juste de voir les statistiques. Bon. Allons-y, mon cher Cool. Pourquoi tu m'as appelé Cool? Ah, bon, alors là, c'était le truc qu'il fallait pas faire. Faut pas appuyer sur les plaques de pression. Ouais, du coup, ici ça a beaucoup changé. Donc ici on a un endroit où on a tous les étages. Donc les 6 étages, même si le mien il est un petit peu différent. Donc la dernière fois qu'on avait fait une vidéo, c'était le slash fil sur Labotron. Bien sûr là ça avait déjà changé, on avait beaucoup de trucs en plus. Et mince. Sauf qu'on n'a pas fait la visite, du coup... C'est parti pour la visite. Donc la première partie de notre visite sera dans l'usine à commande bloc.
Du coup, on parlera de cet endroit plus tard. Du coup, ici, on peut acheter des commandes blocs. Je crois que ça y était déjà la dernière fois. Avec Wallace et Blaise. Du coup, oui. on descend par là. Non, on va descendre par les ascenseurs, ça le fait plus. On arrive donc dans l'usine. Voilà. Bon, il y en a un là-bas, mais c'est pas grave. Tu peux rentrer dans le mien ou pas? Non, on peut pas. Ah d'accord. Bon, tu reposeras un. Ou alors je te le renvoie. Si... Non. Non, c'est bon. Bon, du coup, nous arrivons dans le Shulker Storage. Non. Merde. Ah. Bon, du Bref. Coup, dans le Shulker Storage, on peut descendre et monter. On s'en fout. On va descendre. Et nous arrivons à côté du Shulker Storage, d'ailleurs. Bon, attends. Voilà, le Shulker Storage. Du coup, ici, on a un endroit qui sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Du coup, c'est ici, on a monsieur. Une usine à commande bloc. Bon, elle est pas terminée, c'est vrai, mais elle l'est presque. Donc ici, on a une petite serre pour faire pousser des arbres. Récolter le bois. On récupère le bois, ici, on le traite. On en fait des planches. Ici, on envoie les planches avec un tuyau comme ça. Ici, on fait des petits bâtonnets. Vous pouvez voir. Bon, c'est des barrières, mais c'est des bâtonnets en vrai. Ici, on envoie les bâtonnets. Ici, vous voyez, on peut récupérer les planches. Les planches, elles ont été envoyées ici. Ici, hop. On récupère les planches là. Hop. Ici, on fait des tables de craft. Ici, on fait ça en fusionnant avec le feu. Ici, on fusionne avec l'énergie laser. Ici, on fusionne en compressant avec les objets. Compactage. C'est très beau. Il y a une tête. J'en ai mis plein partout. Voilà. Attends, je suis... Bon, voilà. Du coup, il y a beaucoup d'endroits. Et le Shulker Storage, c'est un endroit important parce que tout ce qui va servir pour faire les commandes blocs est stocké dans des boîtes de Shulker. Voilà. Exact. Ici aussi, avec les fourneaux et tout. Des hauts fourneaux. Bon. On arrive à Lab Emploi. Je suis du mauvais côté. Lab Emploi, ça c'est une grande nouveauté. On l'a fait avant ou après les vacances, ça? Avant. Après. Après, d'accord. Bon, on a fait ça... Ah oui, c'est vrai, je me souviens. On a fait ça après les vacances et c'est une nouveauté. Alors, il y a une chance sur 50 pour que le truc marche. Espérons que pour la vidéo, ça marche. C'est parti. Ça ne marche pas. Bon, vas-y. Moi ça a marché. Ah. Wesh, non, mais t'as vu ça? Il a fait non, exprès. Toi. Bon, voilà. Ça marche une fois sur 50. du coup, la salle d'entretien. On va faire. Bon, on n'a pas fini tous les systèmes et tout. Bon, on va faire comme si qu'on voulait devenir ouvrier ou mineur. Mineur et ouvrier. Mineur, il est stylé, je trouve, le parcours. Du coup, on va ici. Bah, bah, attends, vas-y, fais comme si tu voulais devenir mineur, je te suivrai après. Bon, ok, je veux devenir du mineur. Du coup, il veut devenir mineur. Il se met sur le bloc qui correspond à la couleur de mineur, juste ici. Et il se fait embaucher. Et s'il se fait embaucher... Boum. Hop. Après, on peut relever, ça l'enlève. Mais moi, je vais le laisser appuyer parce que moi aussi, je vais y aller. Voilà, du coup, les deux offices marchent. Ça se rejoint un moment. Bonjour. Donc... Je peux le faire sans les mains. C'est 100% automatique. Non! Du coup, ici, on prend un ascenseur et... Voilà. Donc ça, c'est stylé, je trouve. Et hop là. On arrive. Et du coup, on est à l'accueil de la mine. Donc, qui pourra, par plus tard, acheter un système sympathique. Mais on parlera ça bah, tout de suite. C'est tout de suite qu'on voit le marketplace, non?
Il n'est pas encore prêt en vrai. Hein. Ouais, est-ce qu'on le montre? Non, pas encore. On fera une vidéo dédiée en vrai, comme ça tu ouais. auras Oula. Une vidéo de plus. Mais attends, attends, t'as oublié l'hôpital. Ah ouais, je suis teubé. Bon, maintenant on va passer à. Hôpital. L'hôpital. Alors, hôpital de Labotron. Nickel. 100% décoration, hein, y a rien de. Oui, ça sert strictement à rien en vrai. Serge Paridoli. Voilà. Du coup, on peut monter, descendre le cabinet généraliste. Beaucoup de dawa un petit peu partout. Ici, on a. Par contre, c'est une vraie guerre hein, cet endroit. Il y a trois. Ah, c'est vrai, oui, mais c'est pour les urgences. Hein. Ouais. On peut aller directement au Shulker Storage, au CB Body ou à Wood, le complexe Wood qui est là-bas, où on traite le bois, où on le récupère. Du coup. Bah. On va prendre l'ascenseur. Ouais. L'ascenseur qui est très stylé. Et. L'ascenseur. On peut appuyer sur ce bouton pour appeler l'ascenseur. Donc on peut le faire à tous les étages. Les 6 au total. Donc c'est juste, on a un petit problème avec la porte quand on appuie sur le bouton. Je te laisse appuyer sur. L'étage 6. Voilà, du coup moi ça me l'a pas montré. L'étage 5, on l'a pas vu. Ouais, on a vu tous les autres étages. Est-ce qu'on a ajouté des trucs aux étages? Pas vraiment. Ouais, non. Le 3, c'était moi, ton étage. Ouais, mais c'est un labyrinthe, ton étage. Ah oui, c'est vrai, on a ces petites bêtises-là. Du coup, ici, on a l'accueil des builders. Donc ici, c'est quand on arrive, quand on est builder. Ça, c'est le long tuyau qui vient de l'autre bout du monde. Du coup... voilà, on a tout ça. Avec aussi un magnifique système pour allumer les lumières. Que j'ai fait moi-même et qui est le truc le plus simple du monde, mais... Et voilà. Pour les éteindre. Parce que nous, à Labotron, on économise l'énergie. Et on utilise 100% d'énergie solaire. Incroyable, alors qu'on est sous terre. Enfin bref. Ça fallait ça, pas le dire, ils ont cramé le... Bon, du coup... La salle nature. Voilà. Donc ça on l'avait pas encore. Ouais, c'est non, ça. Non, on l'avait pas encore. Du coup, ici encore, il y a l'accueil des fermes. Donc si vous vous souvenez en dessous, c'était la salle des fêtes et il y avait un seau. Le seau, on l'a détruit parce que il avançait pas. Et du coup, dedans passe ce magnifique tuyau vert que vous pouvez admirer et ensuite quand on remonte, on passe directement ici, et on arrive à l'accueil des fermes. Du coup, ici, on a la ferme des moutons. Ici, on a le truc comme ça. Donc, si je... non, on peut plus en acheter maintenant qu'on a changé le système de monnaie. Donc, ici, ça va être détruit. Bah, tant qu'on parle du nouveau système de monnaie, je propose qu'on parle de la boussole que vous avez peut-être vue dans ma main. Du coup, tout simplement, c'est un menu. Ouais, il s'appelle menu, c'est pour ça que c'est un menu. Et en gros, dedans, on a plein de trucs. Du coup, on a les entreprises, on peut avoir des informations, par exemple, sur Weapon Armory. On peut faire des achats, des informations. Si on va dans achat, épée, on peut acheter les épées. Donc, retour. Voilà. On peut aller dans magasin, acheter des minerais. Donc ça, c'est le seul shop qui marche, mais on peut tout acheter ici. Et voilà. C'est tout pour la boussole. Donc la boussole, elle ne peut pas marcher avec le système d'argent qu'on avait avant, qui s'affichait dans la sidebar juste à côté. Du coup... Ah, par contre, Julien, tu sais pas écrire épée, mais c'est pas grave. Ah ouais? J'ai peur. Enfin, pas épée, mais diamant, tu sais pas écrire. Attends. Ceci est un bloc de diamant, Tin. Voilà. vous avez une demi-seconde pour voir quelle erreur j'avais faite si vous n'avez pas encore vu. Voilà, non, vous avez rien vu. C'est peut-être qu'il n'y en avait pas en fait.
final, vous voyez. Ouais, je te propose de partir, moi. Du coup, ici, on a la Treasure Cave. Donc, il y a une tête. Voilà, la tête, elle est là. Tête de joueur. Et j'ai trouvé un autre truc aussi. C'est dans les tonneaux, je crois. Ouais, voilà. Il y a un truc qui s'appelle Treasure Cave là-dedans. Ah oui. Un petit easter egg. Mais en gros, cet endroit, c'est un endroit où vous avez accès à tous les blocs pour faire des crafts. Voilà. Les fours, les tonneaux, les enclumes. Les tables d'enchant. Et la lave. Et oui, la lave. Alors, du coup, ici c'est des WC. Oui, il y en a à tous les étages. C'est mon jouet préféré. C'est un mon gros Google, on va le laisser là. Alors ici, il y a plein d'autres trucs. Voilà. Dormons. Non. Ah si, c'est la nuit. Ça c'est pratique. Quand on est sous terre, il fait jamais nuit ou jour, il fait tout le temps jour. Ouais, c'est chelou. Alors, ensuite, on peut aller à l'étage 6. Oula ! Ah oui, c'est vrai, c'est rapide pour aller à l'étage 6. Du coup... Les quartiers de cool TNT. Voilà, donc mon étage n'est pas plus petit que les autres. Détrompez-vous. Alors déjà, ici, il y a une pièce dans laquelle seul moi peut y accéder, sauf quand on me suit comme ça. Dans laquelle il y a un code... 6 fois, un code à 6 chiffres et qui ouvre un passage secret vers la meilleure épée du monde. Tu peux sortir. Essaie de rentrer maintenant. C'est bon. Non, je ne peux pas. Effectivement. Alors que moi, je peux ouvrir. C'est la magie des commandes blocs. Du coup, ici, on a ma boîte aux lettres. Voilà. Oula ! Alors... Quand il y a beaucoup trop de messages, il y a la technique. C'est pas pour rien qu'il y avait ça en dessous, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, on va reprendre un coffre. Voilà, nickel. Du coup, ici, c'était là où vivait Francis. Paix à ton âme, Francis. Voilà, après ce petit moment émouvant... on peut repartir. Voilà, nickel. Du coup, mon étage n'est pas plus petit que les autres, comme je vous l'ai déjà dit. Je peux descendre sur les 6 étages qu'il y avait avant. Donc on a ici la zone scientifique. Lucafi, je te propose... de te mettre en adventure et d'aller dans la salle des rabbits. Même pas en rêve. Je te propose. Tu gagnerais peut-être des œufs-troncs en échange. Je croyais qu'il y avait plus de monnaie. Bah, il y a. C'est juste une différence. Peu. Oula, non, fais pas péter le... Ouf. Ça c'est un truc pour c'est un test encore, c'est un prototype, je sais pas du tout si ça marche. C'est pour faire régénérer les corps. Donc évite de le mettre en fonctionnement. Ça peut aussi altérer avec ta... Ah mais tu fais exprès. Non. Ah. Je m'en suis pris dedans. D'ici c'est très beau, vous voyez. Ça c'est magnifique. Sauf que on n'est pas ici. Bon, du coup, va là-dedans et je te donnerai de l'argent. Non. Par contre, tu peux y aller. Voilà, reste ici maintenant. Mais non, mais... Oh, mais joue le jeu quand même. J'ai pas envie de tout. Fallait avoir un cobaye avec toi. Hein. Je suis pas un cobaye, moi. Ah, on dit plus rien. Alors, ici, vous l'avez vu, si vous avez vu la commande sur le slash file, la zone de test. Alors, cette porte, je vous le dis, c'est la porte la plus belle que j'ai jamais faite de toute ma vie. J'en suis très fière. On arrive ici. Alors, on va se mettre d'ici, là, ce sera beaucoup plus beau. Voyez-vous ça ? Bon, là, le TPS, c'est pas son meilleur, on dirait. Sinon, ce serait bien fluide tout le long.
Et bien beau. Ouais. Ça l'est, hein, mais moins. Et on arrive. Du coup, ici, on a la salle du super ordinateur. Ah, il y a un problème avec le... Ah non, voilà, c'est bon. Mmh. Ici, la salle des tutoriels où il y a eu le slash fil. Il n'y a pas très longtemps. Ah, on a un problème avec la porte. Voilà. Du coup, on va éviter de réactionner la porte. Voilà, la chambre au commande bloc. Donc ici, donc il y a le truc aux lumières. Ici, si jamais j'ai des... Comment dire ? Projets. Pas vraiment des projets, des défis, voilà, à réaliser. Mm-hmm. Je les réaliserai dans cette salle. Bon, après, il se peut que les défis, je n'arrive pas à les réaliser. Dans quel cas, j'essaierai, mais j'y arriverai pas. Mais si j'y arrive pas, hein, c'est pas en vidéo, bien évidemment. Bon, maintenant, on attend. Voilà, nickel chrome. Du coup, vous pouvez vous dire aussi que cette magnifique porte est très belle, mais qu'elle doit prendre énormément de commande blocs. Et bah, détrompez-vous, justement. C'est pas beaucoup, enfin c'est pas tant que ça au fond. Ici c'est juste attention, pour mettre endroit, hein. Des blocs de barrière pour pas que ce soit qu'on puisse passer au travers parce que ce sont des ghost blocks en vrai. Donc ici on est dans un endroit très spécial, c'est la zone aux cobayes. Bon du coup on peut ressortir. Oui monsieur TNT. Oh mon dieu ça se rouvre. Bon c'est pas grave. Du coup ici il y a beaucoup de tests et tout, tels que le Killer Rabbit. Du coup en dessous, la salle aux cobayes. Donc ici vous connaissez déjà, enfin à moins, non en fait non, non je dis des bêtises. Du coup ici il y a cet endroit où les cobayes peuvent vivre. On va pas s'attarder là-dessus. Tu reviens. Ça faisait le bruit d'un ghost, d'un ghast plutôt qui mourait. C'était excellent. Du coup, ici il y a des niveaux que les cobayes peuvent avoir. Là c'est les légions. Et là c'est les grades. Les grades, ouais, voilà. Du coup, en dessous mon appartement, même si en vrai ce n'est pas mon appartement. Lucafi est au courant, n'est-ce pas ? Pas du tout, je ne vois pas de quoi il parle. Bon, en gros, il y a un passage secret dans cette salle. Vous pouvez voir, là, je m'appuie contre le tableau. C'est peut-être pas derrière ça. T'as oublié comment on faisait. Mais non, mais... Mec, c'était fait exprès. Bon, bah tant pis, hein, maintenant que tu l'as posé... Bon, en gros, c'est juste qu'il y a une porte derrière. Du coup, ben là, on peut pas passer. Et on peut pas accéder à la porte derrière. Du coup, faut poser une pressure plate. Et on arrive. Aux toilettes. On arrive. Voilà, ouais. Bon, ici, c'est mon vrai chez moi. Du coup, ici, il y a ma baignoire. Avec mon savon en dalle de quartz. C'était excellent, ça. Mon gel douche. Et, ici, tout simplement, c'est pour surveiller Lucafi. Elvis. Ouais, et t'es de l'autre côté aussi. Bon, faut ouvrir ici. Non, ça marche plus. Oula. Que s'est-il passé ? Oh, d'accord. J'ai compris. C'était juste qu'en fait... je vais pas l'écrire, hein, mais... Je vais le mettre dans la vidéo. Bon, du coup, on peut ouvrir ici, on peut passer de l'autre côté, tranquille, et on peut refermer. Voilà, au revoir. Voilà, oula, mince, j'ai tourné le truc, voilà. Et ensuite, on a juste ici les toilettes, donc c'est excellent, hein, on peut s'amuser à les boucher si on veut. Donc, on a juste à jeter des trucs dedans, voilà. On jette nos déjections. C'est pas très mature tout ça. Et ensuite, on tire la chasse d'eau. Voilà, il n'y a plus rien. Et on peut aller dans la tuyauterie. Qui
qui mène. Ah oui, c'est vrai, il y avait un souci ici. Eh, mais ça va pas sauvegarder. Ah si, c'est vrai, on passe par là. Et on arrive dans la tuyauterie où il y a beaucoup de choses très étranges. Bah, parlons de cet endroit ici. Ouais, bah je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est bon, c'est bon. Donc ici, c'est là où on va, où Computer Tech va engager des gens. Donc il faut leur expliquer ce que c'est Computer Tech. Ouais, Computer Tech, faire, c'est mon ouais, entreprise. Vas-y, si tu... c'est l'entreprise de Lucafi. Computer Tech est une incroyable entreprise qui vous fabrique vos ordinateurs portables ou fixes, n'importe. Et c'est lui qui a construit tous les ordinateurs de Labotron. C'est une entreprise réellement respectable. Comme vous voyez, il y a énormément de bureaux et beaucoup de places vides, mais ça, c'est, faut pas en parler. Et en ce moment, nous travaillons sur le projet Telinux, notre propre OS, finalement. Voilà. Bon, bah, merci pour cette incroyable description. Merci. Bon, voilà. Ça fait 2 mois que je travaille. Je me posais une question aussi, comme quoi je sais pas tout ce qui se passe dans mon laboratoire. Est-ce que c'est Computer Tech qui crée ces magnifiques engins? Bien sûr. D'accord, je me disais. Bien. Bon, du coup, nous avons ici le magnifique robot. Donc avant, il marchait très bien. Bon, il marche pas vraiment, mais ça, on s'en fout. Mais on pouvait pas aller dedans. Du coup, maintenant, on a cet endroit en construction. Ah, t'es passé où? Je suis là. Ok. Du coup, ici, ça marche en principe très bien. On peut descendre juste ici. Oh! On aime les lags. Et vous pouvez voir, vous allez pouvoir voir, que c'est exactement le bon temps. Vous voyez là, hop, hein. Hop, on s'est posé tout tranquillement. Et du coup, ici, on peut s'approcher du bord pour directement accéder à l'intérieur du robot. Et on va pouvoir le piloter à partir d'ici. Avec des... Piloter étant un bien grand mot. Hein. Oui, c'est vrai. Ensuite, on est ici, c'est bien beau, mais comment on ressort? On appuie sur ce petit bouton. La passerelle se rouvre. Ça se referme derrière nous. Comme ceci, et on appuie sur ce bouton pour l'éviter et arriver directement au sommet. En haut. Voilà. Alors, c'est très beau. Du coup, qu'est-ce qu'on montre maintenant? On a fait le tour, je crois. Ah non, attends. On parlait de ça là-bas. Ok, c'est bon. Ça me revient. On parlait de ma tuyauterie. Du coup, c'est par là. Ouais, il y a un gros souci ici. Il faudra savoir comment on règle ce truc. Oula. Ça va pas le faire. Du coup, on ressort par là. Hop, hop. Et hop. On ressort ici. Et je casse ça. Comme ça, personne ne peut accéder chez moi. Ensuite, il nous reste plus que un seul truc. C'est cet endroit. Ouais, c'est la banque de Labotron. Donc ici, le coffre-fort est plutôt vide. Ah non, c'est pas la vraie banque. Ici, c'est la salle du coffre. Oui, oui, voilà, la salle des coffres. Du coup, ici, il y a tous les prêts. Le coffre-fort qui ne contient pas grand-chose. Et voilà. Ici, il y a un four dedans. Ah, mais tu viens de le mettre aussi. Il y a surtout cette chose, voilà. Ne rentre pas. On va combler l'entrée. Sors. D'accord. Voilà. du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour de Labotron. Maintenant, on va montrer. Ah, oui. Alors, je vais sortir par ici parce que je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Et je vais... Bon, ça, c'est le truc des slash-files. Et je vais vous montrer Labotron. Voilà. Non, là on voit pas très bien. C'est pas le meilleur point de vue. Ouais, voilà. Vous pouvez vous dire WTF si vous voulez. Quand on se promène en haut là, on n'a aucune idée
de ce qu'il y a en dessous, sauf si par tout hasard on tombait là-dessus. Mais ah, il y a eu un feu ici ou quoi, on saura jamais. Sauf que en vrai, il y a un monde entier juste en dessous. Voilà. Bon, il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas montré en fait. Je remarque là comme ça. Ah ouais, attends. Bah, tu sais ce qu'on va faire pour la fin? Non. Oula. C'est peut-être un petit peu rapide. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ici, on a la déchetterie et ici, le meilleur truc au monde. Ah. Voilà. Ça marche, moi? Ah, voilà. Excellent. Ça commence à marcher. Et en principe, c'était censé parler. Ça ne parle plus. Bon, moi, je vais me gifler ce truc. Voilà. Voilà, nickel chrome. Bon, je vais juste essayer de voir pourquoi que ça parle plus. Ah ouais, c'est très étrange. Il est où le 7 bloc? Ah ouais. Bon, bah je viens de comprendre, mais bon, il parlera pas. Bon, en gros, c'était censé dire juste... Progression progress, voilà. 16. Voilà. Bon, je te propose d'accélérer. Non. Scoreboard. Players. 7. Arrobas. A. Pas Z, ça veut rien dire. Boom. 1. A. 90. Voilà, nickel chrome. Bon, du coup, on connaît tous la personne qui va mourir aujourd'hui. C'est pas moi. Comment ça, c'est toi? Non, c'est pas moi. Alors, évidemment. Moi, j'ai bien sûr le petit casque radioactif. Lucafi ne l'a pas. Qui va mourir? On se le demande bien. Attention. Ah, est-ce qu'il parle là? Oh non! Oh là, c'est pas gentil. Hein. Ah, bah on est tous les deux morts. Ah. Attends, il y a peut-être un gros souci là. Peut-être. Oula. Yes, ça m'a fait peur. Dis-moi que c'est pas ce que je pense. Non, j'ai fait... On s'en fout, non. Bon, waouh. Le serveur, il aime pas. Hein. Attends. Non, c'est bon. Tranquille. Bon, je sais pas du tout pourquoi que ça a pété, mais bon. Ça a pété. On peut pas dire que c'est une raison pour arrêter la vidéo. Ouais, voilà. On va dire qu'on est mort, voilà. On peut pas continuer la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis.